Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Alan Wake, évidemment, Alan Wake 2. Et les amis, on est parti, j'espère que vous êtes chauds. Direction! Direction, on va récupérer le disque pour pouvoir rentrer dans l'amalgame. Je pense que vous l'aurez compris, il est au dernier étage, il me semble, de cette maison des enfers. Comme d'habitude, mettez-vous, plongez-vous dans le noir, un petit truc à boire et à manger, pourquoi pas? Et soyez prêts, ça va... Bon, il terribles. Ça va swinguer, hein, comme on dit, évidemment. Hein. Et n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Toi-même, tu sais... Allez, c'est bon, il est là. Ok. C'est parti. Anger's Remorse, par les Old Gods of Asgard. Je dois passer ça sur le jukebox. Je suis pas serein. Oh ! C'était sûr. Voilà, bon bah va y avoir ça toutes les deux secondes, hein, c'est sûr. Ah, c'était sûr, ouais, mais recommencer l'épisode là-dessus, forcément, ça swing un peu, tu vois. Ça fait ce petit coup de pression. Ah, même pas une minute de vidéo, les amis, que je prends déjà des coups de mamie, là. Il vient me casser la gueule. Quoi? Oh! Je pouvais l'esquiver, ça? Je sais pas, hein. Ok, vas-y, on met. La chance. Et bébé? Ok. Wouh! 3 minutes de vidéo, les gars, j'hallucine. Ok. Dans l'amalgame. 3 putains de minutes de vidéo. Hein. Le corps de l'adolescente disparu retrouvé dans un bunker inondé. Ok. Ok, ça je le prends, ça j'aime bien ça. Hein. Bon, on est dans un bunker inondé, donc c'est ça. Ok. Comme tout amalgame, on va tourner en... Qu'est-ce que t'attends? Aide-moi, pitié. Bon. Non! Tout ça est faux! Merde! Attends, quoi? C'est bizarre, ça se ressemble, hein. Attends, on va aller là où était la voix. Hein? Il y avait pas un couloir là? Attends. C'est moi qui suis fou? Ou c'est le monde qui est fou? Là je suis sûr qu'il y avait un couloir, hein, de mémoire. Ok. Ok.
4, 5. On va mémoriser au cas où. Oh waouh. Je trace parce que j'ai peur. Hein. Ok, on s'enfonce. Je peux pas récupérer mon... C'est terrible. C'est quoi ça? Ok, le moteur. Ça c'est fait. Ok. Ok. Très bien. C'est bizarre. Ça a pas vraiment mis le contact. J'ai entendu un truc dans mon oreille, c'est moi ou c'est un bruit intérieur de mon corps? Non, ça c'est... Bon, on continue. Faut aller à gauche, donc je suppose, c'est ça, je suppute. Attends, si on tourne toujours à gauche, c'est qu'il y a un problème, non? Je tourne en haut ou quoi? Bah oui. Il y a quoi derrière? Bah non, c'est bizarre. Je comprends rien. Ok. Faut tourner combien de fois? Faut peut-être tourner 50 fois? Je sais pas, il y a un succès. Tourner 45 fois autour. Jusqu'à ce que je pète. J'ai l'impression d'être déjà passé là. Un câble. Je crois que je suis perdu. Bah, il y a des bruits qui sont de plus en plus récurrents, ceci dit. Non? Je crois pas que ce soit le bon chemin. Ils ont l'air d'insister pour pas que je continue. Ok, on se casse. Voilà. Là, je vous avoue, je suis un peu perché. Bizarre. C'est quoi cet amalgame des enfers? Ok. Oh, je sais pas c'est quoi, très bien. On a dû le faire avant. Le mur a disparu. C'est la lumière qui a fait ça. Ok. Bon bah... Ouais, ok, pourquoi pas. Ok. Et là, normalement... D'accord. J'ai compris, moi, Alan. Bon, c'est là où ça va commencer à s'enfoncer un peu dans la terreur. C'est une boucle, comme toutes les autres. Ouais. Il faut que j'atteigne le centre. Cynthia. Elle est ici. Il était trop tard.
Ok. Disparu. Une impasse. Attends. C'est un malentendu. Toujours une impasse, hein. Waouh. Ça me casse la gueule, les gars, là. Tous ces trucs un peu bizarres. Un peu suspect. Là, les gars, à chaque coin, il peut y avoir un truc. C'est horrible. Un screamer, n'importe. Oh, pour une fois, on va à droite. Ah, je tourne. Ok. Là, je suis dans une... À moins de... Il n'y a pas, il y a quoi? Oh, bah attendez, on met de la droite, non? C'est bon, là? Je comprends pas. Je suis perdu, les gars. J'avais l'impression qu'on tournait dans un autre endroit, mais pas du tout. Je reviens sans arrêt ici. Pourquoi? Et là, il y a quoi là? Ah, c'est bien là, non? Ça, c'est bien ça! Oui. Fermé. La clé doit être dans les parages. C'est tout. On réallume ? Ok. Ok, bon, c'est terrible ça. Là, on a quoi ? C'est compliqué, les gars, hein, tout ce qui se passe là. Hein. Encore une lampe, j'aime bien. Très bien. Je commence un peu à mettre la lumière sur tout ça. Et en vrai... Voilà. On va rien laisser dans l'amalgame. Rien à péter. Ok. Ah. Ok. Waouh, il y a beaucoup de choses, c'est qu'à mon avis, ça va swinguer. Hein. Et ben voilà. La fameuse clé du meuble à Outz. Ok, ça faut que j'éteigne, je crois, non? De mémoire, c'est là que ça pop. Ouais. Ok. C'était pourquoi déjà le coupe-boulon? Oh, je sais même plus. Oh, il est balèze, hein! Bricolage. Très bien. Je suppose qu'il faut aller derrière. Eh bien non. Non, pas du tout. J'ai mal supputé. Ok. Première fois qu'on va là, les gars. Waouh. C'est plus un bunker, les frères. Hein. C'est une ville entière là-dedans. Hein. Ok, ça je prends. Ok. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je ne comprends pas. Là, je pige pas. Faut que je rééteigne tout. Allez, on va tout rééteindre parce que là, j'avoue, j'ai pas trop compris. Je n'ai pas saisi l'importance de tout cela.
Ah, c'est là, bah oui. Je suppose qu'il faudra retourner là-bas. C'est terrible. Ok. Ah, c'était peut-être ou alors il fallait pour m'abriter, tu vois. Je sais pas, les gars. Aucune putain d'idée de ce qui se passe. Allez, hein. C'est terrible, hein. Ok. Bon. Je peux aller à droite. Je peux aller à gauche. J'ai très très bien esquive qui plus est. Il était censé être dur à faire ce boss. Je sais pas. Ok. Bon, en fait là on avait la possibilité de tourner en rond. Mais en vrai on a bien taffé l'esquive. Donc écoutez les copains, c'est ok. Allez, on peut y aller. On peut y aller, on s'enfonce encore dans l'amalgame, je suppose. Bizarre l'ambiance. Ok. C'est infernal. On est déjà passé par ici. Et on... Oh non. C'est infernal, ça. Encore là. Je dois aller plus loin. Ça, on l'avait jamais vu. Ça, les copains, on l'avait jamais vu. Ah, ok. Ok, il n'y a rien. Très bien. Voilà, tu reviens de sourire à chair. Ok. Où es-tu là? Est-ce que tu m'entends? Il fait noir. On dirait une arène, hein. Oh, désolé, Danny. La garce m'a bien eu. Tom, j'arrive. Je suis là. On dirait une arène. Ok, qu'est-ce qu'on a là-bas? Ok. Voilà, c'est bizarre, j'ai pas compris. J'ai pas saisi toute... Je dois retrouver Thor. Il faut que j'allume la lumière pour lui. Permettre. Ok, il y a plein d'objets sur lesquels on peut monter. Ok, pourquoi pas. J'ai pas encore compris tout l'intérêt de tout cela. Attends. Ok. Bon, c'est particulier. Sombre.
Vous avez pris Thor. Je suis venu le chercher. Saga était plongé en plein cauchemar. Saga! Il fait tout noir ici. Elle se cache sous l'eau. Ok. Comme une jeune femme amoureuse. Bon, je crois avoir compris. Elle ne peut plus sortir de sa bouche. J'ai promis. Sa fille était morte. J'ai pas compris, mais... C'est Kaweaver pourrait vivre. J'ai compris, donc je dois rétablir le courant. Que les ombres prennent vie. Ok. Casey n'était plus là. Ok, j'ai compris. Il va falloir qu'on y aille au tâton. Voilà, voilà. Il rêve de sa propre enquête. Il va falloir y aller au tâton. Ok. Ok. Ça commence. On commence à voir le bout du tunnel. Ouf. Ok, c'est bon. Eh ben. Ça pouvait. Je pouvais attendre très longtemps, je pense. Je te laisserai pas ici, toi. Allez, tiens bon. Allez. Let's go. Eh ben. Il fait froid. Noir. Je ne vois vraiment plus rien. Vaincre Cynthia. Dis à Odin que je suis désolé d'avoir tout gâché. Tu te présenteras tes excuses toi-même. Ok, je suppose qu'il faut aller là. Pas question de t'abandonner ici. Toujours s'enfoncer. Waouh. Cynthia. Ça
C'est si dur. Ok, il faut que je comprenne comment fonctionne son ombre. Waouh. Je crois que j'avais un truc à faire avec ma lampe torche. Ok, il va falloir que je comprenne comment fonctionne son ombre. Alors, bon, je vous le dis d'office, on va peut-être mourir une, deux, trois, quatre, 12 fois. Mais tu lui présenteras tes excuses toi-même. Mais on va y arriver, j'y crois. Pas question de t'abandonner ici. Ok. Est-ce qu'il faut que je me mette sur un truc ou faut que je reste dans l'eau? C'est ça en fait que j'ai pas... J'ai même pas tout compris. Ok. Ça me touche. Quoi ce mec? Terrible. Pour vous, l'agent du Shadow, Saga Anderson. Je suis plus proche, je le perçois. Vous m'avez aidé à trouver une issue. Wake, vous êtes où? Est-ce que ça vient de l'entre-noir quand vous étiez piégé? Je détiens le rupteur. On peut en finir. C'est quoi le rupteur? Vous pouvez aider. Vous devez le trouver. Je l'ai déjà trouvé. Je vais vous l'apporter. Mais vous devez m'expliquer. Est-ce que vous avez mis Logan dans l'histoire? Lave en danger. Ah,
Je dois retourner au Noël. Je dois écrire une histoire aussi. C'est le seul moyen. Alors changez cette histoire. Si c'est le passé, si c'est vous quand vous étiez dans l'entre-noir, alors vous le pouvez, non? Elle ne doit pas être dans l'histoire. C'est ma gamine, putain de merde! Logan est dans cette histoire. J'ai pas réussi à lui faire changer ça. Je détiens le rupteur. Wake va modifier son texte. Il n'avait pas le droit de faire ça à Logan. Ni à ma famille. Thor! Putain de merde! Est-ce que ça va? T'as pris ton temps pour venir sauver ton papy, hein? Belle mentalité. Ça doit être de famille. C'est vrai. Pardon. Merci d'avoir aidé un vieux crétin comme moi. C'est mon boulot. Bon, j'ai des tas de questions pour toi. Tu m'étonnes, ma petite chérie. Et moi, j'ai des réponses. Fin de chapitre, il est temps pour nous de s'arrêter là. Incroyable. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. Je pense qu'on s'approche de la fin. Allez, à bientôt tout le monde. Bye bye.